Et il faut parfois savoir s'adapter à la délinquance à Marseille. Les modes opérateurs sont similaires. 40% des délits graves sont commis grâce à des deux roues plus faciles à manier. Les scooters et les motos permettent une fuite plus aisée. Dans le cadre des ZSP, la brigade de motocyclistes d'intervention a été renforcée de 10. Il passe à 30 policiers formés à une technique de conduite spécifique aux acrobaties parfois surprenantes. On les surnomme les policiers ninja. Plus de précision au micro de Marguerite Kiok. Oh, des ninjas, on va pas dire des ninjas, oui, mais effectivement c'est le nom qu'on nous a donné. Oh, je pense plutôt pour la tenue et pour notre façon d'intervenir, parce que c'est vrai qu'on intervient assez rapidement et puis on est souvent en nombre. Donc ça peut saisir la personne en voyant arriver trois policiers tout en noir. C'est vrai que bon, ben, c'est un peu plus dissuasif, on va dire, que les tenues habituelles qu'ils ont l'habitude de voir, quoi. Donc, mais sinon, non, on ne se considère pas comme des ninjas.